Voilà, de la joie, je suis très content de m'en être sorti. C'était un joueur compliqué à jouer, je le savais avant le match, je l'avais déjà joué cette année, il est fantasme, donc très content d'être resté concentré, de ne pas m'être frustré et de m'en être sorti en 4-7. Ouais, je pense que c'était une des clés du match, voilà, de ne pas me frustrer. Il y a très peu d'échanges, il tente énormément de choses différentes, donc fallait que je reste concentré tout le match, que je reste calme et que je le fasse jouer un maximum pour pouvoir l'embêter, parce que voilà, il servait très fort et c'est un joueur très difficile à manœuvrer. Ouais, c'est sûr que pour l'instant c'est un bon parcours. Voilà, maintenant je compte pas m'arrêter là. J'ai encore un match après-demain, donc je vais essayer de bien récupérer, de bien préparer le prochain match et tout faire pour gagner. Ça va être un match particulier, mais maintenant on a l'habitude. Voilà, on se joue tous très souvent, on se côtoie tous, donc j'espère que ça va faire un bon match et je vais tout donner et faire le maximum pour m'en sortir. C'est sûr que voilà, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion encore de jouer beaucoup de grands chelems. C'est le deuxième grand chelem de suite où je passe le premier tour, donc voilà, je continue d'apprendre. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là et qu'il y aura beaucoup d'autres victoires qui viendront par la suite.